Tu le prends hyper mal. Je suis énervé de ouf. Qui dit le plus facilement je t'aime à ses amis? Tu caches ton écran avec ta manche. Quoi? Bah oui. Bah oui. Il a du mal à prendre du recul sur sa propre personne. Il se regarde beaucoup, mais pas de la bonne façon. Tu le prends hyper mal. Je suis énervé de ouf. Je te jure, il me faut 30 secondes pour plus être énervé. Déjà, il écrit son prénom. Au lieu de te dire moi. C'est vrai. Bah oui. Personne ouais. N'a fait ça en 8 ans de format. C'est sa main, hein. Non, je pense qu'on a, on a les mêmes facilités à le faire, mais... Il le fait un peu plus que moi, c'est vrai. Ouais. En fait, c'est juste que moi, j'avais beaucoup, beaucoup de mal, et maintenant, j'essaie un peu plus de le faire grâce à lui, en fait. Donc, il a raison. Après, t'es le seul à avoir écrit Pana. Ça, c'est vrai. Pour ça. Qu'est-ce qu'aurait fait Fary s'il n'avait pas été comédien? Ah bah ça, il sait pas. Moi, je sais. Non, tu sais pas. Quoi? C'est quoi? T'aurais été une star, quand même. J'aurais été une star, quoi qu'il arrive. C'est marrant. Mais en tout petit, j'ai écrit Colo. Ah oui, bah tu vois, c'est pas loin. Je pense que j'aurais été éducateur. Ouais, ouais bah moi, c'était ça, ouais. Ouais. Parce que avant de... Je considère pas que c'était mon métier parce que je payais pas mes factures avec. J'étais dans un cursus babysitter, BAFA, poule renard vipère. Et j'ai une facilité avec la pédagogie, l'éducation, et ça m'a toujours intéressé. Et c'est encore des sujets qui m'intéressent, l'éducation. J'étais assistant de prof et tout, donc ouais, j'aurais fait ça. Vous vous souvenez de votre rencontre? Touche pas, me regarde pas. Moi, j'écris juste un mot, ça te va, un mot? Bah, je vais écrire plus que toi. Derrière. Attends! Il va écrire le pays, je le connais. D'accord. T'as vu comment je le connais? C'est pas incroyable comment je le connais? C'est fou! Il a écrit Nintendo? Ouais. Moi, je te connais aussi. Ouais, il avait t'avais 14 ans. Je crois que je venais d'avoir... Ouais, j'avais 14. Ouais. Et c'était en Roumanie, j'étais très bien payé. On a tourné une pub pour Nintendo. On a tourné une pub pour Nintendo, ouais. Et lui, il jouait l'enfant, parce que bah, c'était un enfant, quoi. Il était comme ça, mais à 13 ans. Ce qui, à 13 ans, c'est très bizarre. Pareil, la même énergie et tout. Qui est le plus marrant de vos potes? D'accord. T'as Mickey, un gars de la scène, ou? Bah oui. En ce moment, moi, c'est lui. Celui que j'ai écrit. Ah ouais, c'est marrant. Dans la vie? Ouais. Ok. Toi, t'as Mickey? Bah, Jason. Ah ouais, bah ouais. Ex-aequo. 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 Allez voir le spectacle de Merwan Ben-Lazar, très marrant. Allez voir le spectacle de Jason, mais il en a pas, donc... ouais. Son nouveau, bientôt? Bientôt. Quel est votre premier projet ensemble? Attends. Je peux même te... le faire comme ça. C'est quoi, ça? Sous de ma gueule. Raconte-toi. La première fois qu'on a fait une réunion de travail ensemble, c'était pour la devanture de ton Olympia. Tu te souviens pas? Non, je me souviens pas, c'est quoi? Je suis cherché un truc gaulerie à mettre sur ta devanture de l'Olympia. Ah ouais? Mais oui. Et on a fait une réunion, tu te souviens pas? On a fait une réunion? Ouais. Pour savoir ce que j'allais mettre sur la... Ah ouais? Tu te souviens pas? Non, je me souviens pas. Moi, je me rappelle. Parce qu'en fait, j'ai fait un Olympia, j'ai mis Vive le Cap Vert en portugais, et j'ai mis PS, et l'Algérie aussi. Et c'était un peu marrant. Je me souvenais pas du tout de ça. Ouais, moi, je pensais, j'aurais dit ton spectacle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est marrant, j'allais dire ton premier spectacle. Tellement je le vois pas comme le spectacle qui est sur Netflix. Parce que ça a beaucoup évolué entre temps. Ah, c'est un petit mec brillant. Ah, mon salaud. Ah, mon salaud! Quelle est la phobie de l'autre? Ok. C'est pas exactement une phobie, mais ouais, il sera d'accord. Oui. C'est un vrai truc? Ouais, c'est une vraie phobie. Ça peut tout me casser chez quelqu'un, mais pour de vrai. Elle peut être... les pieds, ils sont moches, c'est terrible. Ton âge. Des ouais, on te considère par rapport à ton âge plutôt que par rapport à ce que tu fais. Oui, je suis assez d'accord. Ouais. Mais ma plus grosse phobie, c'est d'être mis à l'écart du groupe. C'est triste, d'un coup. C'est très triste. Qui a le plus de style entre vous deux? Arrête, ouais, pose même pas la question d'après. Vas-y, passe, oh là là. Regarde. Je sais pas. Je suis sapé comme un comptable qui a une seule journée de un seul week-end par mois. Ça, c'est pas vrai. Il a du style et de plus en plus. Si. Toi, c'est ton style qui a du Fary. Le milieu, il m'intéresse pas. Du coup, ça fait partie de mon quotidien aujourd'hui. Ça fait aussi un peu partie du sien. On rigolait tout à l'heure parce que, du coup, la Fashion Week, ça nous rajoute des trucs dans notre semaine. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Ce qui m'intéresse, c'est les gens stylés. Okay. Ma copine, elle dit souvent, mais en fait, t'es un obsédé de la mode. Mais non, c'est les gens stylés qui m'obsèdent. Mm. Et du coup, moi, je peux passer une mauvaise journée si je sors et que je me rends compte que c'est pas la tenue qu'il me fallait. Moi, j'ai déjà vu arrêter des gens dans la rue pour demander d'où venait sa veste. Ouais, ou... ouais.
Ouais. Et me faire recaler, ça m'est arrivé aussi. Ouais. Les gens disent genre, je peux prendre votre t-shirt en photo? Et non. J'ai dit, non, mais juste le t-shirt. Non. Ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Est-ce que Farid a lu le livre de Panayotis? Ah bah ça, il sait. Ouais. Pas casser une amitié, hein, je le connais. Pas encore. Oh. Bientôt. Trop mignon. Bah t'as quand même mis nom, en gros. Oui. J'ai mis un gros nom. Oh non, on passait un super moment. Qui dessine le mieux l'autre? Je te le montre quand même. Non, je te le montre. Non. Allez, regarde-le. Ça va peut-être influencer le tien. Mais va te faire enculer. À vous, il y a un petit air de ressemblance. Je suis très mauvais en dessin. Et lui, il fait des storyboards et tout. Ouais. Non, c'est terrible. C'est quasiment un blackface. Non, c'est terrible. Non, annule pas, on peut voir. J'ai annulé. C'est vrai? C'est trop drôle. Non, il a pas annulé le dessin. Alors, il n'y a pas la place pour les cheveux, j'aurais... Mais j'aurais bien aimé faire les cheveux plus longs, mais il n'y a pas la place. Mais montre. Il y a des coloriés bizarres. Non. Le nez est très large. Hein. Quoi? Le nez est limite raciste. Hein.